Mais le jeu, à un moment donné, ouais, il faut. On n'est pas en contrôle de soi tout le temps. C'est un peu le contraire du selfie, quoi. À un moment donné. Non, mais c'est vrai, aujourd'hui, tout le monde se contrôle, on met des filtres, on met machin et tout. Ouais, mais à un moment donné, il faut lâcher parce que vous ne pouvez pas être dans le contrôle. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être dans le contrôle tout le temps. Là, je suis connue, on gère une image de soi. Mais au final, on se rend compte, quelle image, qu'est-ce qu'on gère, quoi, au final. Il y a tellement de photos, il y a tellement de réseaux aujourd'hui, il y a tellement de... Qu'est-ce que vous voulez contrôler, quoi? Seule chose que je peux contrôler, c'est l'intériorité. C'est ce que j'essaye de dire, c'est ce que j'essaye de faire passer. C'est de contrôler en m'écoutant parler, d'être au plus près de ce que j'ai envie d'exprimer, vous voyez. D'être, c'est pas du contrôle, c'est d'essayer d'être au plus... faire passer quelque chose d'authentique, de vrai, quoi. Mais ça, après, je peux pas contrôler ce qu'on va faire de tout ça, quoi. Et j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie de contrôler ma vie à ce niveau-là, non. Les jeunes acteurs, actrices, les jeunes créateurs sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux. C'est peut-être aussi une manière de contrôler un peu ce qu'ils donnent. Vous êtes peu présente sur les réseaux sociaux. Quel rapport vous avez avec les réseaux sociaux? Moi, j'ai le contrôle. J'ai un peu le réflexe contraire, parce que comme très très jeune, j'ai été représentée par d'autres dans un film. On m'a identifiée dans La Petite Vic du film La Boum. On m'a mis une image dessus. Donc les gens contrôlaient tout pour moi, en fait, un peu. Et puis moi, j'ai aussi contrôlé un peu ma carrière, qu'est-ce que je dois faire, et ça, machin. Et aujourd'hui, je suis plutôt dans le lâcher, moi. Je suis plutôt dans le... Ben non, tout ça c'est bon. Parce que je me rends compte que créer quoi, une image, créer les choses bougent, les choses sont pas statiques. On bouge soi-même, on change, on vieillit, on évolue. Chaque jour amène quelque chose ou enlève quelque chose, mais les choses sont pas figées. Moi-même, je m'échappe. Je vais vieillir, je vais avoir des cheveux blancs. Qu'est-ce que je contrôle, quoi? Oui, contrôler une bonne santé, essayer de mourir en bonne santé, mais. Qu'est-ce que vous voulez que je contrôle? Non. Puis il faut faire confiance aussi. Faut faire confiance aussi aux choses. C'est-à-dire, si on est dans le contrôle, c'est qu'on a peur de l'extérieur, de l'autre. Moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Au contraire, je suis curieuse. Contrôler, c'est se fermer à tout, quoi. La Cinémathèque va vous consacrer une rétrospective, et vous venez de le dire, ça fait 40 ans qu'on vous voit. Comment vous voyez votre place dans le cinéma français, dans le cinéma mondial, les tournées étrangères aussi? Je sais pas, la mienne. Est-ce que j'ai une place? En fait, je me suis plus rendu compte, plutôt que de ma place dans le cinéma, moi je me suis plutôt rendu compte la place énorme qu'avait le cinéma dans ma vie. Et je suis contente en fait d'être habitée par ça, parce que c'est en même temps complètement... intangible, on va dire, et en même temps ça parle que de nous, des hommes, des êtres humains, des sentiments, de la beauté des choses, de la tragédie aussi. Dans la presse, parfois titre le mythe, Sophie Marceau. Oui, on va se calmer. C'est-à-dire, vous savez, les mots, à un moment donné, les journalistes, il faut aussi qu'ils trouvent des nouvelles formules ou je sais pas quoi, et puis il faut du spectaculaire, toujours du spectaculaire. Le mythe, faudrait déjà que je sois morte depuis longtemps et qu'il y ait plusieurs générations qui soient passées derrière. Qu'est-ce qui fait encore rêver Sophie Marceau? Je suis pas quelqu'un qui rêve beaucoup. J'ai pas de rêve. Je suis assez grégaire, comment dire, assez concrète. Vous voyez, je sais pas si c'est mon éducation, mon milieu. On n'était pas trop dans le rêve, on était dans le faire. Dans vas-y, bouge ton cul, quoi. Si tu veux faire quelque chose, t'y vas, tu te lèves, tu vas bosser. C'est pas très romantique, c'est pas très. Mais en fait, mon rêve, ce serait de pouvoir toujours faire. C'est-à-dire de garder une mobilité, une curiosité et de pas avoir peur. Mon rêve, ouais, ce serait finalement de vivre très très vieille et en bonne santé. Voilà. Faire du cinéma. Non, peut-être pas faire du cinéma jusqu'au... Non, 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 non. Peut-être pas. Non, c'est fatigant, le cinéma. non, très égoïstement, j'ai envie de dire. Ouais, mon rêve, ce serait de kiffer, quoi, ma dernière partie de vie, franchement. Parce que c'est la dernière, autant en profiter et d'être, en harmonie avec soi, avec les gens autour de soi qu'on aime.
J'ai envie d'harmonie, j'ai envie d'amour, de connexion, j'ai envie de choses simples en fait.